Salut à tous, c'est Nifex 8, on se retrouve sur une toute nouvelle série, Centro Get Off of Hell. Je le dis spécialement bien, c'est un nom extrêmement compliqué à dire, mais en gros c'est un standalone de Centro 4, donc c'est les mêmes éléments de Centro 4, mais cette fois dans un monde un peu à part. On va apparemment aller défoncer le diable, donc on va voir ça tout de suite en partant sur la campagne. Nouvelle partie en normal, paramètres d'affichage, luminosité. Bon, ils sont gentils, on va faire ça vite. Allez, on va les mettre à 70. C'est parti. Dis-moi. Il était une fois un homme si exceptionnel que les armées divines de l'enfer du paradis le remarquèrent. Un homme suffisamment dangereux pour faire plonger Satan et suffisamment généreux pour attirer l'attention de Dieu. Comment cela est-il arrivé? Tout avait commencé lors d'une fête d'anniversaire un peu spéciale, donnée en l'honneur d'une jeune femme très spéciale. Oh yeah, c'est bon. Surprise! It's your birthday, Kinsey. So? You've never been to a birthday party? No. Oh, like not even growing up? I went to the School of the Americas. La pauvre, j'avais fait l'anniversaire. Ouais, c'est un peu la geek finie, le cliché. You celebrated Christmas? I don't have to explain myself to you. Oh, Kinsey, this is going to be so much fun. Xinjai made a cake. Jane Austen is here. Il est complètement taré, ce gars. What sort of games? Ah, des jeux, ça m'intéresse, ça. Ah oh non, t'es sérieux? Ah oh, c'est n'importe quoi. So you celebrate birthdays by trafficking with spirits? It's spooky and fun. It's a bunch of letters. Qu'est-ce qu'ils font enfin? Ah, c'est ça les trucs pour les morts. Slumber party. How's it work? We ask it a question and the spirit of the board. Donc pour ceux qui connaissent pas un peu Saints Row, c'est un jeu mais complètement what the fuck, c'est vraiment du délire absolu, il y a aucune limite à la folie. All right. Everyone put their hands on the cursor. Cursor. I feel the magic already. All right. Will the president slash god emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? No. Ooh, someone's getting. Est-ce qu'il va choisir quelqu'un pour régner à ses côtés? We'll tame the president's wild heart. What are you guys trying to spell? I'm not moving it. That's the spirit, Kinsey. I'm serious. I'm not moving it either. Neither am I. Ha, il commence à flipper là. Who the fuck is... Wow! D'accord. Where'd you get the board? I was going through Signac's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Aleister Crowley? Christ. Guys, I think it's laughing at us. Ah, le boulet. I think you're a smart enough piece of wood to see where this is going. Now you ready to cooperate? That's more like it. Ok, la plaque, elle répond. Not like we got a lot of options. So what's the plan? We mount up and go in after the boss? No, I do. No sense in what's left of humanity walking right into a death trap. Someone's got to live to tell the story. Il faut pas que tout le monde meure pour avoir quelqu'un pour raconter l'histoire. Oh là là, c'est n'importe quoi. I'm coming too. Are you kidding me? How do you plan to come back? I try not to sweat the details. You need someone with you that does. No. It's my birthday. Fine. Ah, c'est son anniversaire, on peut rien dire, c'est elle qui décide. You know where my friend. Elle a décolleté l'autre, c'est totalement abusé. Et dans les gros plans bien faits pour qu'on puisse le voir. True to its word. Du Saints Row quoi. Fidèle à sa réputation, le jeu ouvrit un autre portail et envoya Johnny et Kinsey en enfer. Avec la petite musique sympathique pour un départ en enfer. Oh là, ça promet du lourd là, ça promet du très lourd les amis, je sens qu'on va bien s'éclater. Donc on est sur Xbox One. Ah ouais. L'enfer est très chaud a priori. Ok, donc on est dans la ville, mais en version Devil. L'enfer sur Terre. Ultor, c'est qui?
Ultor is behind this, I know it. Pour une meilleure vie après la mort. Est-ce que c'est Luthor de Clark et Kent? Le truc, c'est que le patron était un peu taré à l'époque. Elle veut une voiture. Alors, veut une voiture. Bon, va falloir se remettre un peu dans l'histoire. Monte dans un véhicule Y. D'accord. On peut viser. Sauter. Ah, là, on peut changer d'arme. Alors, voler un véhicule, moi je veux bien. Comment on fait ça? Ça fait très longtemps que je n'y ai plus joué à Saints Row. Je crois que ça fait 2 ans que j'avais commencé un let's play sur le Saints Row Elected, là, le 4. Oh, le bordel! Ok. Wow. Headshot! Excellent. Allez, rentre dedans. Rends-toi à Ultor. Biggest building down here. Giant altar sign on it. I don't think this is a problem. I'll buy that. Comment on avance? Ah ok, je comprenais pas. Oh les trucs de fou quoi. Ah c'est un truc de malade. Juste pour le plaisir de les shooter. Oh là là. Bon après visuellement il est relativement très moche. On va dire qu'il est pas spécialement bien fait. Mais bon c'est un jeu tellement taré que le but c'est pas d'avoir un truc visuel réussi, c'est vraiment juste s'éclater. Oula, il a pris cher lui. Waouh, 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 on évite de tomber en enfer, ça serait bien. J'adore aller shooter. Je vais absolument n'importe où, au hasard là, je vais n'importe où, je sais pas où je vais. Je me dis que je vais bien finir quelque part. Faut peut-être regarder. Waouh, 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 waouh. Oups. Ça, c'est fait. Vite. Ok, on a pris très cher. Salut vous. Ah, mais il me tire dessus, c'est con. We handle it. Vite un peu de vie. Qui me tire dessus? C'est toi, hein, espèce de salaud. Voilà, ça va te calmer ça. Une voiture, s'il vous plaît. Pas bouger. Ah, j'ai raté la voiture. Waouh, t'es sérieux? C'est quoi ce bordel? Oh, je la veux ça. Vite, 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 monte là-dedans. Oh, c'est trop bon. T'es sérieux? Oh, le truc... Viens. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une... Ok. Oh, regardez les flammes et tout. C'est monstrueux. C'est pas possible. Ils sont sérieux. Wow, wow, wow. Attends, on va essayer de pas la casser quand même. Ça serait un peu dommage. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Wow, 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 wow. D'accord. Pas du tout. Heureusement, il y en a une autre. Tu vas me laisser tranquille, toi. Merci. Voilà. Bon, cette fois, c'est la bonne, les amis. On va y arriver. Est-ce qu'elle monte? Oui, elle monte. Alors, est-ce que je dois aller? Rends-toi à Ultor. C'est que moi, je vais tellement au hasard. Peut-être regarder un petit peu sur la carte ou... Ils auraient pu mettre un indicateur, ça aurait été utile. En même temps, c'est la grande tour, donc je pense que c'est complètement de l'autre côté où je vais. Parce que là, je vais pas vers une grande tour, donc c'est pas bon, ça. Oh, j'écrase les voitures d'une force. Moi j'ai envie d'aller là, mais je sais pas, j'ai pas trop confiance. Waouh, ok, des éclairs et tout, tranquille. Pouh, le truc abusé, j'adore, je m'éclate trop. Bon, allez, on va se concentrer 2 secondes. Alors, Ultor, ça va être le truc là. On va dire que c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, bon, peu importe. Alors, comment on monte là-bas? Pouh. Bah, c'est que j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond en fait. Ça, qu'est-ce que c'est? Ok, absolument pas ce que je veux. Wow, 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 wow. Toi, on va t'écraser un coup. Eh, mais c'est un truc de fou. La carte est complètement tarée. Il y a pas mal de trucs. Par contre, je trouve qu'on prend juste pas comment aller là-bas. Je suis en train de tourner en rond. Ah voilà, je peux mettre un point. Ok, alors on met le GPS. Ça va être nettement plus facile comme ça. Ok, c'est par là qu'il fallait passer pour aller de l'autre côté. Il y a un tunnel, d'accord, j'avais pas vu. Look at us. Kinsey Kensington and Johnny Gat driving together on a birthday adventure. Are you always this excited? Generally, I'm a misanthrope. I get it. Je déteste les gens. C'est n'importe quoi. On essaie de pas casser notre voiture parce qu'elle est trop cool. Waouh. Lui, il a... Ah non, mais c'est moi qui brûle là. Vite, descends.
Ok, j'ai un peu pété ma voiture. Pou pou pou. J'ai pris cher. Voilà, une petite balle dans la tête. Merci bien, monsieur. Oh, elle a l'air sympa cette voiture. Allez, vas-y, on se grouille. Ok, lui est complètement buggé. Wouhou! Ah ouais, c'est une bonne voiture de course, ça. Ouais, donc c'est les mêmes véhicules, en fait, mais en version un peu hardcore. Et puis les simples citoyens, bah, c'est des zombies. Par contre, là, je devais descendre, donc. Est-ce que je peux? Pouf! C'est bon, ça passe. La gravité est pas trop méchante. Ça se conduit assez facilement. Salut tout le monde! Poussez-vous. Merci. Le camion poubelle, tranquille. Wow! Ah, c'est là. Ultor. Alors, voyons voir ça tout de suite. Bonjour tout le monde. Je vais vous défoncer la tête. Oh, un humain. Welcome to hell. Bienvenue en enfer. Such is the plight of eternal damnation. I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. Apparemment, ça serait le diable, lui, ou quoi? Ah non, c'est Ultor, là. La mort n'était rien pour Vogel, qui ne perdit pas une minute pour établir une filiale d'Ultor au fin fond de l'enfer. Ah, c'est un businessman, quoi. Dane avait hâte de parler à Johnny des questions liées à l'immobilier en enfer. Mais Johnny se moquait de l'immobilier. Tout ce qui l'intéressait, c'est trouver son ami. Ok, ça part un peu en couille. I've been trying to explain that I didn't take them. Bullshit. You expect me to believe you just happen to be the first thing we see in hell? Maybe it's just me, but your thank you sounds more like an accusation. That's probably because he plans to kill you. Il va te tuer. I get the trust issues. Can I show you something? Qu'est-ce que c'est? Tout à coup, tout devint clair. Le président avait semé plus de chaos et de destruction que quiconque avant lui. Dès lors, il était tout naturel que Satan veuille lui faire épouser sa fille. Il leur fallait un plan et Johnny en avait un. I'm gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face. I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up and... And then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. You won't be able to... Ok, donc c'est lié à l'âme. On peut pas rentrer facilement. You get his attention. I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally. Either the devil kills Gat and Ultor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Johnny kills Satan and I'll have to pay less taxes. J'aurais moins d'impôts à payer en tuant le diable. To make more money in hell? Hell's what you make of it, sweetie. Ouais, c'est pour ça qu'il l'aide, pour se faire plus de fric. All right. Oh, le bordel! Satan avait confié la gestion quotidienne de l'enfer à 5 archiducs, et Dan savait où les trouver. Mais au-delà de ça, il y avait d'autres personnes qui n'appréciaient pas beaucoup Satan. Il y avait d'autres personnes qui avaient autant d'ambition que Dan, et les mécènes d'Ultor savaient qu'il aurait besoin de leur aide pour arriver à ses fins. Avant que Johnny ne parte en guerre contre le Seigneur des Ténèbres, Dan lui fit un dernier cadeau, un objet pour lequel il avait dépensé une fortune. L'auréole fissurée de Lucifer. La relique sacrée confère à Johnny des ailes majestueuses, qu'il est cependant devoir apprendre à utiliser. Oh, les trucs de fou. C'est complètement taré. Récupérer les clusters d'âmes. You're about to experience angelic flight for Christ's sake. Dane. Someone needs a nap. Just collect some soul clusters and power up the halo. You'll be flying around in no time. Great. Now you should have just enough clusters to power up your halo. Alors, on va faire ça tout de suite. Alors, ésotérique.
Bah, c'est donc comme dans le 4 où on achète ses pouvoirs. Super sprint ou vol. Alors, on l'achète. Est-ce que je peux acheter les deux? Vol, saut de décollage. Tu peux désormais te lancer dans les airs. C'est parfait pour atteindre la bonne altitude en combat. Donc en appuyant enfoncer A. Ah, ok. Et super sprint, je peux le prendre aussi. Ouais. Accepté. Tu peux désormais courir plus vite que les voitures avec le super sprint. Yeah, c'est bon ça. Alors, récupère nos pouvoirs. Ça, c'est fait. Alright, let's start slow. Try to jump over to that next island. Also, the longer you charge your wings. Ok, jusqu'à l'île là-bas. Yeah, c'est bon ça. Fais un saut jusqu'à la prochaine île qui se trouve ici. Bah ouh. Bah, ça c'est du saut, ça déconne pas. Good job. Now get up that cliff. Don't worry, if something looks too high, just keep on jumping off the wall. Remember to charge your jumps if you want to get up the cliff faster. Ok, on peut sauter sur les murs, bon, c'est facile. Et la prochaine île, là ça me paraît plus compliqué. LB enfoncé pour voler. Ok. Yes! Wow, 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 comment on remonte? Je me suis foiré. Allez, remonte, monte! Ah, j'arrive pas! Est-ce qu'on peut remonter au moins? J'ai pas vraiment l'impression. Je crois que je me suis un petit peu foiré. Ah! Bon, on va se suicider, ce sera plus simple. On... Pouf, dans la lave de l'enfer. Try again. Here's a tip. You don't need to get a running start to fly. Just jump, then hold your wings out to glide. Ok, là ça a l'air de bien se passer. Wow, allez, on les a tous pris. Yes. To reach the next island. Do that by pointing your head down. Don't worry. The rest of your body. Baisse la tête et le corps. Le reste du corps suivra, d'accord. C'est parti. Alors un piqué. Wow, wow, wow. Mais non, non, non. Bah aussi vite le piqué. On se calme, on se calme, on se calme. Voilà. Est-ce qu'on va y arriver? Attention, on se prépare au piqué. Pouf. Attends. Non, non, non. Tu vas un peu trop loin, mon pote. D'accord. Tu l'as un peu foiré sur le coup. Et là. Bon, bah voilà, c'est bon, on y est. Out in front of you. Collect the orb and your wings will flap to gain speed. J'ai pas suivi ce qu'il voulait, mais bon, on va dire que. Ah voilà, faut passer là-dedans, je pense que ça va me donner de l'énergie. Ou. Ouais, je crois que ça permet de monter. Alright, now try flapping those wings on your own. Do a flap on your way to the next island. Ok, donc on peut appuyer une fois sur A, bah, c'est comme dans l'ancien en fait. Donc là, si j'appuie sur A, d'accord, il fallait que je laisse appuyer. J'ai foiré. Je pense qu'il faut que je laisse appuyer LB, mais en même temps, il faut que j'appuie sur A. Allez, on se fait un beau saut. Non, faut laisser appuyer. Appuie sur A pour mettre des ailes. Bah, ça me redonne un boost, exactement. Voilà, c'est bon ça, les amis. Une bonne chose de faite. You want some face time with Satan, you need to get his attention. Now, Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Ok, il faut réussir à l'énerver tellement qu'ils veulent nous confronter. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. Avec l'activité, tout ça. Trust me. Want to impress them. Ok, bon bah c'est pas mal ça. Je crois qu'on va bien s'éclater sur cette petite aventure. Je pense pas qu'il soit très long ce jeu. Mais c'est pas grave, on va se prendre un max de plaisir. Bah du coup les amis, on va se laisser là et on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao ciao.